on a retrouvé une sépulture vraisemblablement d'époque médiévale qui était précisée par une stèle et une pierre de marquage avec des inscriptions dessus qui seront lues plus tard en post-fouille. Donc cette sépulture est celle d'un adulte qui est déposé sur le dos, les bras croisés sur le bas-ventre, avec les jambes allongées. Il est orienté tête à l'ouest et pied à l'est, comme c'est la pratique à l'époque médiévale. Et il est dans un coffrage en pierre de schiste, avec un petit calage céphalique au niveau de la tête. Les études en laboratoire permettront de déterminer son sexe, de préciser son âge et éventuellement les éventuelles maladies qu'il pouvait avoir au niveau des ossements, des traces d'arthrose, au niveau dentaire, l'état sanitaire. Voilà, ce sont les choses que nous pourrons définir après en laboratoire.